Coucou. En ouvrant le micro, ça peut peut-être aider. Re-coucou une scène. Re-Christella. Merci à vous d'être là, les copains, ça fait plaisir. Oh, tiens, pas idiot. On va mettre la fenêtre là, ce sera mieux. Alors, je balance les dossiers. Non, sérieusement, j'ai vu, je devine ta frustration, Christella, par rapport au jeu de cuisine à une main. Et j'ai vu que tu as fait un carton de ton côté en solo hier, tu t'es éclaté, c'est bien. Éventuellement, alors, voir avec une scène, je sais pas si tu serais partant. Si ça te dit, Christella, est-ce que tu serais motivé par exemple à ce qu'on continue à jouer aussi à la cuisine, mais tous ensemble le, tout à, enfin, cet après-midi, pas si t'as une plage horaire favorite. Alors, méfie-toi quand. Ouais, bien sûr, ok, cool, Christella. Oui, quand tu dis Maïté, je présume que là, du coup, pas, tu rebondis sur mon propos en direct une scène et tu fais référence à Christella. Mais méfie-toi, parce que le fait que tu me parles de Maïté, moi, avant tout, je l'associe désormais dans le groupe de copains à Bastos. Puisque Bastos propose l'imitation de Maïté, qui fait très bien, mais ça me fait toujours rire. Et en plus, de, il a l'émoticône de, voilà, de Marie-Thérèse. Dit Maïté. Une scène, tu serais partant pour encore faire un rap de cuisine? Enfin, un rap. Je parle mal. Je dénigre alors que je suis content d'y jouer. Toujours, t'es pour? Eh ben, on va se faire ça. Si vous êtes prêts, là, maintenant. Alors, pour mettre un peu d'ordre dans le cafouillis des directs par rapport au jeu, sachez que, comme je sais que c'est un gros potentiel d'amusement et de clips, surtout, les deux jeux à une main, là, que ce soit les braquages que la cuisine, j'ai fait un salon vocal sur le Discord qui regroupe les deux, parce que c'est à peu près les mêmes joueurs qui font les deux jeux. Donc au lieu d'aller dans la vocale ouverte publique, on sera dans une vocale entre copains joueurs engagés dans ces deux jeux là. Donc bah, d'ailleurs, si c'est acté, je vais me glisser dedans. Je vais reconsulter mon Discord. Et je vais me glisser dedans. Et je suis pas le premier. Ah, il y en a qui ont des réflexes félins. Hein. Attendez, j'ai même pas mis mes écouteurs. Je vais pas vous entendre. Impoli que je suis. Bougez pas. Attendez, faut que je démêle mes ouais, écouteurs. Coucou. Voilà. Et là, je vais peut-être entendre quelque chose. Coucou. Ah, coucou. Alors que je mette bien. Hey, c'est moi mon câble est tendu, l'écouteur. J'ai l'impression d'être tenu en laisse. Ce qui est évident. Mais c'est qui est tendu? C'est le câble ou c'est toi? Je ne répondrai pas à cette question. Bonjour, coucou Christella. Les cuisiniers. Bonjour. Bah, je crois que je peux couper basique d'habillage d'arrière-plan là, parce que le jeu est très bien fait et il a des bonnes musiques.
Bah écoutez, on va se lancer tout de suite, c'est formidable. Waouh, cet enthousiasme est merveilleux. Mais je me suis entraîné hier, ouais. Oui, mais bah, je t'avouerai que je flâne rarement dans les activités, l'onglet spécial dans Steam, mais là, t'en as eu tellement d'un coup que ça clignotait, tu vois, sur le tableau de bord. En disant, merde, il se passe un truc chez Christella, je regarde, je dis, oh la vache, la belle brochette de succès. Je dis, waouh, bah c'est bien, tu vas sûrement nous apprendre des trucs. Parce que moi, je suis... Tu vas nous apprendre à manger. Ouais. Non, mais pourquoi j'ai eu un bug? Alors, je sais pas si vous l'avez eu, pour faire les pizzas. Quand tu mets la pizza au four, quand il y a la mozzarella, quand elle cuit, ma pizza, la mozzarella, elle disparaît au bout d'un moment. J'ai plus que la tomate et la pâte. Ah, peut-être que t'as laissé trop cuire, c'est peut-être pas un bug. Non, puisque la pâte, elle est bien. Et dès que je la sors du four, ouf, la mozzarella disparaît. Donc c'est peut-être un bug. Ah bah, la mozzarella est plus là. Peut-être, oui, la mozzarella qui est plus là. Souvenez-vous d'un clip qui a été fait, alors peut-être qu'on l'a pas revu depuis, où je dis à un moment à Torota, tu fais une pizza à ticket de caisse. Ou non, c'était toi, tu une scène, excuse-moi. Où je disais, attention, ta pizza, j'étais mort de rire, on dit, mais c'est une pizza au ticket de caisse, les tickets de caisse sont dedans. Et c'est peut-être une autre variante de bug par rapport au fromage dans la pizza, peut-être, je sais pas. C'est pas exclure. Alors attendez, je sais même plus. Oui, voilà. Prout prout cuisine. Je suis en ligne, je crois. Hein. Oui. Attendez, on va faire jouer. Il va falloir que je mette le bon plan. Il va falloir que je mette le chat aussi. Voilà, que je puisse vous voir. Alors, j'ai une annonce à vous faire. J'ai puisé dans le merveilleux cochon rose de la chaîne. Hein, encore merci à vous toutes et toutes pour vos contributions. Et du coup, bah, j'ai acheté tout le contenu additionnel de tout ce qui a une main. C'est-à-dire que j'ai tous les plans, tous les scénarios de cuisine, mais aussi tous les scénarios de braquage. Depuis hier soir. Ah bien. Et est-ce qu'on peut tous en profiter ou... Oui, oui, c'est la question. J'ai fait un test. C'est ce que j'expliquais à une scène hier soir. On a un peu discuté. Non, j'étais... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais pas trop loin hier soir, moi. Non, oui, enfin non. Bref, on a eu un bref échange. T'inquiète pas, c'est pas ultra confidentiel, tu es une scène. Je t'avais donné une info, comme quoi je faisais l'acquisition des contenus payants de ces deux jeux-là. Et encore merci à toi de me les avoir fait découvrir, ces jeux. C'est grâce à toi que je les ai découverts. Pour te dire que... oui, c'est pour ça que j'ai invité Torota, que je salue et que j'embrasse. Et je fais vœu d'ailleurs qu'il puisse nous rejoindre en cours de route cet après-midi. Torota qui a accepté mon invitation d'être un peu mon cobaye et invité hier soir hors direct vers les 22h. Je lui ai dit, bah écoute, j'ai acheté voilà, le contenu additionnel. Est-ce que tu acceptes d'être mon invité? Je veux voir si quelqu'un qui n'a pas acheté le contenu additionnel peut en profiter lorsqu'il est invité d'un autre qui, lui, l'a acheté. Et la réponse est oui. Ce qui fait que quand j'héberge désormais le serveur de ces deux jeux, je peux vous offrir la totale. Et c'est juste cool. Génial. J'ai déverrouillé tous les scénarios. Voilà. Donc du coup, c'est que toi qui peux nous inviter. Bah oui, dans le sens que, à ma connaissance, vous autres, vous n'avez pas acheté les pièces sonnantes et trébuchantes. Hein. Je parle d'argent réel, pas virtuel. Parce que ça se confond un peu. Il y a aussi des cagnottes virtuelles dans les jeux. Les deux jeux se confondent. Pardon, je vous invite en même temps dans Argent mon serveur, voilà, sous Steam, pendant que je papote. Oui, à ma connaissance, aucun de vous n'a acquis tout le contenu additionnel payant. Ce qui fait que oui, ça m'oblige à être le serveur. Ça en fait 9, hein. En fait. Bah, regardez mon écran, regardez. Oh mon dieu, Christella qui a une tête de brocoli avec une lunette du futur. Elle a pris de l'avance encore. Ah ouais, non mais bravo. Non, c'est parce que j'ai fait des défis, donc à chaque fois j'ai gagné des cadeaux. Ah, c'est bien. Les défis, j'ai même pas été foutu. Alors, pardon, je me permets de faire le point sur les scénarios qui s'offrent à nous. Alors justement, pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vais essayer d'être concis. Sont gratuits dans la version par défaut du jeu, offerte à tout le monde. Les hot dogs, le Benny Burger Bar où on fait les trucs à base d'huile, là, les frites. Les burgers. Non, c'est les burgers. Les burgers. Ah oui, t'as raison. Le Freddy Fried Chicken, oui, c'est le poulet frit à la KFC, là, pour pas le nommer. La pizzeria de Pierre, C'est Peter. Oui, Peter, mais je traduis tout, même les prénoms, c'est pas bien. T'as raison. Mais oui.
Bref, le resto mexicain et la sandwicherie sur la plage, qui, je crois savoir, était d'ailleurs le dernier contenu additionnel gratuit qui avait été offert il y a un peu plus d'un an. Et le marchand de glace. Le marchand de glace. Ça, ces scénarios-là sont gratuits pour tout le monde quand vous téléchargez le jeu. Les payants qui sont désormais accessibles pour nous, le nightclub de Naomi, le bar café, enfin surtout café, maison du café de Carters, le bar de jeu billard de Patrick, entre guillemets de la Saint-Patrick, j'ai l'impression, ils ont fait exprès, hein, je suis sûr que tout est bien pensé derrière et réfléchi, il y a des jeux de mots ou des nuances. De la culture, voilà, vous m'aurez compris. Passing Asteroid, ah oui, il y a trois scénarios dans Futuriste. Il y a l'espèce de sonde, enfin, c'est pas une sonde, le bar spatial sur un astéroïde. Il y a la station orbitale autour de la Terre, la vue doit être canon. Le resto dans une base lunaire. Alors la base en plus c'est un dôme qui me fait terriblement penser à ce qu'ont connu ce jeu sur la PlayStation 1 qui est G-Police, que j'aimerais d'ailleurs vous faire sur mon antenne un jour parce que j'avais adoré ce jeu. J'ai aussi dans les payants le restaurant à sushi et les deux sur le thème maritime, le bateau pirate et le bateau plus conventionnel, moderne, de croisière, le bateau à poisson. Voilà. Mmh. Ah ben on va s'amuser. Ah, ouais, des difficultés plus ou moins immédiat, merde, hein, sûr. Mmh. Mmh. Bref, on a la totale, quoi. Donc, qui veut quoi? Voilà, comme vous voulez, hein. De toute façon, ça sera toujours catastrophique dans tous les cas. Donc, non. Quoi qu'on mette, là, c'est pas le thème. Allez, Pan, choisis pour vous. Sushi. Oh, j'aime pas les sushis. Je me dis, moi. Ouais, normal en long. Je vais faire en long. Voilà, bah, je sais pas si vous êtes prêts. Je me suis pas maquillé. Ah, changer ton apparence. Oui, tu peux. Non, c'est bon. Ok. Et ben j'ai parti. Ah oui, mince, il faut que je prenne une préfecte de jeu, moi. Ça peut aider pour les déplacements et les manips. Alors, déjà, prendre connaissance des lieux. Oh mon dieu, j'ai vu déjà un client se téléporter quand je me suis retourné. Beau, on est au bord de la mer ou on est sur un bateau du coup? Oh, il m'a pas repris les touches. Attends, je remets. Oui, moi les aussi, touches. J'ai un problème. Ah, moi aussi, il m'a tout changé. C'est bizarre ça. C'est parce que j'ai acheté le contenu additionnel et ça a guaqué le. Bah non, il me l'a fait hier aussi, pareil. Quand j'ai redémarré le jeu, parce que ça avait bugué, hop, pareil. D'accord. Il y a des trucs qui gardent, il y a des trucs qui. Mmh. Bon, c'est pas très grave, hein. Il n'y a pas 15 000 touches non plus. Hein. Oui, c'est pas catastrophique. Alors... C'est pas catastrophique. Tiens, viens, prends ta barre, toi. Oui, attends, chinois, attends, t'es j'ai pas fini. attends, ça c'est quoi? Ah oui, il y a le riz. Ouh la vache. L'idée de ce PC. Okay. Les gens, ils vont arriver, hein, pas de chier. User interface, la pause. Show tab. Oui, je sais pas où tu veux. Les stats. Bon, on va commencer à préparer des trucs, non? Et puis, la pause, déjà, tiens, je vais commencer à remettre. Attends, oui, moi je commence à faire cuire du riz. Allez, je mets tout, hein. Je sais pas si on peut tout faire cuire. Voilà, normalement je peux me mouvoir comme je le souhaite. Attends, moi je me permets de faire connaissance des lieux. C'est un peu un réflexe du braqueur. Je repère les lieux d'abord. Oh oh oh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Le riz est cuit. Au-dessus, on voit qu'il n'y a pas de plafond. Ah, non, on voit qu'il y a un non, autre non, étage non. au-dessus. Le truc s'est refermé, non? Au secours! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, le truc à cuire le riz, ouais. C'est le riz, oui, au lieu d'attraper le riz, j'ai refermé le. Il y a des clients. Oui, il y a des clients et c'est bon. Le rayon de soleil, ouais, il est magnifique. Non, ah, si, il y a deux commandes. C'est un bateau. Il veut un Nigriti Tuna et un Scrimple Roll. Oh mon dieu, il faut lire le truc de cuisine. Alors, il y a. Alors, ouais. Nigiri saumon, nigiri tuna, nigiri végétarien, là, avec asperge. C'est quoi, les rouleaux d'Alaska, les rouleaux de San Francisco, les rouleaux de tuna chop. Attends, assiette. Wop, bordel. Hop. Ah, il y a deux bouquins de recettes. Comment ça? Ah, il y en a deux? Mais non, pas dans la poêle. Oh merde. C'est la poêle. Vas-y Christella, ça y est, elle a donné le coup de feu. J'ai fait sauter la poêle. Oui, tu as raison. C'est qui fait du riz? C'est moi qui fais le riz. C'est qui? Tu fais le riz, ok. Ça y est, merde. Attention, du riz cuit, hein. Il faut du riz cuit. Il y a déjà un rat qui est mort.
Hop, voilà, ça y est. Attends, je mets. Un sushi. Moi, je vais mettre le rat à la poubelle. Oui, attends, je vais prendre. Merci. J'arrive même pas à le saisir. Il est tellement dégueulasse. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'on peut commander? On peut commander du saumon, du shrimp. Oula, enfin, j'ai mis. Tu peux tenir le bouton sur le. Ah, ça y est. Sweet, sweet shit. Ah, c'est de l'alc, ça. Oh, de l'avocat. Il y a une tapette à souhait, pardon. Il y a deux autres commandes qui sont arrivées. Hop. Attends, okay, le shrimp. Eh, le frigo là. Ouais. Tu as raison, tu as raison. Ça, c'est quoi? Ah, oui, ça, c'est la feuille. J'arrive pas à mettre le truc droit. Bon, non. Je vais peut-être bosser, moi, au lieu de faire des trucs. Ça marche. Ah. Oh là 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 là, bravo. Oui. Ah oui, il y a un autre. Attends, je déploie les pièges à rats parce que j'adore ça. Eh, hey, attends, comment ça se passe pour les livraisons? Ah, il y a des livraisons? Il peut pas y avoir de camion. On est sur la mer. Ah, colis. Je sais pas, voilà. D'accord, il y a un drone qui va nous arriver dans la tronche. Et... ouais, il vient peut-être en... C'est là où tu vas avoir un beau mec, c'est un beau gosse en tenue de livreur qui va venir de nulle part déposer le colis. Ah, ce serait classe. les trucs rôles là, je sais pas comment on les fait. Bah ouais, je me pose la question aussi. J'ai rien pour les dedans. Y'a rien pour les faire. Bah si, t'as l'espèce de petit panier là, mais je comprends pas ce qu'il faut mettre dedans. Genre le truc de cuisine et ça met juste le nom chiprol raw, mais on sait pas ce que c'est les deux trucs qu'il y a dedans. Oh, ah, j'ai là que... j'ai trouvé. Oh putain. Attends, t'as fait tomber le coup. Regarde l'espèce de truc là blanc là, tu vois là en dessous des commandes. Oh merde, ouais. Bah oui, mais il m'a volé mon riz. Oui, c'est pour faire les sushis. Et ben regarde, tu mets les trucs dedans et tu t'appuies et ça roule. Oui, il faut rouler en vrai. Oui, mais c'est quoi qu'il faut mettre dedans? Oh merde. Alors d'abord une feuille d'algue, comme t'as fait. Ensuite, tu mets le riz. Le riz, non, tu dois l'étaler avant, en vrai. C'est horrible. Ah oui, enfin, mais c'est horrible. Comment on l'étale? Vous, en vrai, vous avez jamais fait des sushis? Si, j'en ai déjà fait. Ah, et c'est super bien. Bon, avec le couteau, c'est pas avec le couteau, on est bon étalage. Est-ce qu'on a d'autres ustensiles? À coup de poil. Attends, je vais te l'étaler, ton riz. Tiens! Ah merde! Oh pardon! Non, mais ah bah voilà, on va encore faire zéro, je sens bien là! Non, mais je suis désolé, mais en vrai, j'aurais été capable de faire ça! Oh merde! Attends, la truc, elle est collée sous la. Ah, ça y est! T'es collée sous la poêle! D'étaler le riz! Oh, j'ai commandé une. C'est quoi? Quelqu'un nous non, c'est moi, j'ai commandé, un paquet de riz pour voir! D'accord, merci! Ah pardon. Ouais! Oui. Et il est tombé du coup dans la réserve, dans une caisse dans la réserve! Tombé! Regarde, j'ai. Ouais, j'ai une caisse qui est tombée là. C'est arrivé du haut? D'accord. Ouais, c'est arrivé du haut. D'accord. Ah, le coup de cuisine, il te met des ingrédients. Oui, bah oui. C'est alors. Alors. Trop bien, j'adore. Comment et trois trucs de crevettes? Ça y est, voilà. Ça y est. Voilà pourquoi il y a deux livres de cuisine. Bref, c'est rigolo. Ah, bah, du coup, mais qu'est-ce que tu me mets le riz partout, toi? Oh merde. Oui, je suis fini. Alors, moi, il y a un truc dont je suis certain, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup d'algues. Mais d'ailleurs, le. Oui, non, mais là, le riz, tout va voler en l'air quand je vais. C'est pas grave. Oh merde, j'ai marché sur le de riz. J'ai trois algues et trois riz parce que c'est la base. Voilà, moi il faut ça. Ah oui, ça nous arrive dans la gueule. Ah merde, ah oui, ouais, j'ai failli me prendre la tronche. C'est une nouvelle manière de livrer. Attends, ça, et après il y a quoi dedans? Trois crevettes, je crois. Ouais, trois crevettes. Oh la vache! Ah oui, ça va partir avec les crevettes. Ils sont généreux dans les. Waouh! On appelle les caisses, là, je sais pas où on les met, les caisses de vide. Bah, c'est pour ça que j'ai la réserve grande derrière. Oh, quelle horreur! Oh la vilaine, on a rien entendu. Ça va être catastrophique. Hein. Par contre, c'est des crevettes qui vont faire. Parce que... Attends, moi j'ai essayé de manger dans le frigo, mais. Et ça roule rien! Alors, évidemment, là, on a... Oh merde! Ah bah, on a perdu! Oui, on va la refaire. Hey, c'est normal, c'était une prise de repère. Je suis désolé, c'est toujours comme ça. Après, c'est dommage, le tutoriel, ils nous font pas apprendre tous les plats. Il y a que le burger au début. De base, ouais. Parce qu'il y a la plupart des trucs, je suis paumé, moi. Bon, j'ai envie de te répondre, moi aussi. Mais attends, je vais la remettre. C'est bizarre, il revient par le scénario 1. Par bah, il est parti, le pauvre. Il m'a tout enlevé. Attends, hop, là. Si t'as dézappé. Oh, il faut que je repars dans la terre et que je remette les trucs. Attends. Hop, ça y est. Attends, tiens, je me suis mis dans la.
Waouh, comment qu'il se la pète? Lunettes noires. Le Et les chaussons en poisson. C'est lui. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime bien les chaussons en poisson. Moi, je les quitte plus. Eh mais du coup, là, comme on a brocoli, il peut jouer à Broforce, hein, du coup. Hein. Est-ce que c'est peut-être le cousin de Bruce Lee, Brocoli? Oh, oh là là, oh, tu dis ça à mon cousin, alors là. Lui qui est fan de Bruce Lee et de karaté. Dis-moi, Bruce Lee, c'est pas grave. Tu vas le rendre fou. Les vidéos de cinéma, c'était n'importe quoi, celui-ci. Ah là là, ouais. Maintenant, si on monte si après, ça marchera pas. Hein. Mmh. Bon, comme quoi, une femme en cuisine, ça sert à rien, ça marche pas. Hein, oh. C'est pareil. Oh. On va voir le sushi où je vais le mettre. Dollar infini. Ah oui, j'ai mis en libre. Oui, au moins on va bien s'entraîner. Alors les commandes. En libre. Ah, j'ai la souris qui a répondu. Au secours. Oui, au moins il n'y a pas de changer de pied. Mais une souris avec un fil, ça sent peut-être mieux. C'est quoi ça? Bon, moi je refais cure le riz. Voilà. Hop. Pardon. Nigiri, Esperbus. Oui, c'est ce que j'ai. Pour rien, j'ai en cuisine. Hop là. Des asperges cuites et du riz cuit. Alors, les rats, asperges. C'est le bordel. Je sais qu'il y aura des rats. Je le sais, je le sais. À chaque fois, je me plante de trucs. Hop là. Mince, là, moi, j'ai repris des pièges à rats bêtement. Alors, attends, je peux refermer ça. Là, comment je dis? Et du riz cuit, t'en as du riz cuit? Oui, oui. Hop, t'en piques. Du riz cuit. Attends, c'est quoi les commandes? Bah, il faut mettre combien de bâtons de brocoli là? Les asperges, tout ça. Moi, j'ai un bug. Oh putain. Comment ça, bug? En principe, il devait y avoir deux personnes assises, mais j'ai la tête. Il faut que je prenne une photo. Il y a la tête du mec, elle est par terre, elle est sous la chaise. Oh, quelle horreur. Quelle horreur, mon dieu. Et ben voilà un thème de cuisson, là, enfin de cuisine, le manoir hanté de la famille Adams. Oh mon dieu. Ouais, j'ai vu un manoir hanté, moi, hier. Ah, bien. Bah oui, t'as été à Disney. Bah ouais. Ah oh, il y aura, vite ouais, qu'il aille au piège. Enfin, parce que j'essaie de déposer le riz. Ah oui, mais le riz est le dans la boîte à... Oui, dans la boîte à riz. Oui, t'as raison. Non, je l'ai envoyé au bain, il est parti se baigner. Oh mon dieu. Attends, mais on fait comment? Je comprends plus rien. C'est ce qu'on appelle un radeau. Ça aurait été facile en même temps. Mais bon. Attends, j'arrive pas à manipuler le riz. Oh, avec ma souris. Ah oui, c'est compliqué. Non, puis j'ai ma souris. Oui. Ma souris vieillissante, j'ai le clic qui tient pas. Oh merde! Oh putain! J'attrape l'acier du dessus, c'est celui du dessous qui part en triple salto. Et mes trucs, ils arrêtent dessous. Ça arrive. Bah oui, c'est juste ça. Attends, je vais piquer une assiette. Ça arrive. Je me complique la vie, puis en fait, non. Ah, mais non, attends, c'est deux trucs différents. Ah, c'est le. C'est qui met des asperges? Tiens, mon honneur est sauf. Voilà, il y en a un qui était heureux. Est-ce que je peux poser à l'angle? Non, je vois plus le contenu. Ah, oui, il y en a un qui veut encore une asperge. Attends. J'ai une fausse bonne idée. Mais je veux saisir le riz, pas la boîte. C'est là où la physique du jeu est assez cruelle. En termes de. Pour moi, je fais des asperges. Je fais les asperges. J'essaie de faire le riz désespérément, mais j'ai un peu de mal. Oh, ça y est. Non, bah, je disais qu'il y avait de la musique, mais non, j'entends rien. Bon, je vais mettre la mienne en arrière-plan. Ouais, c'est tant mieux. Oh, puis musique de détente. Bah, ça y est, Laura, il s'est pris dans le piège. Oh, bah, j'ai une assiette. Bon, attends. J'ai une assiette d'asperges et de riz qui est prête, mais personne n'en veut. Ah, c'est louche. Bah, c'est pas grave, heureusement qu'il n'y a pas de péremption, tu l'as préparé d'avance. Oula, j'ai jamais perdu. J'espère qu'il n'y a pas un stockage limité de riz parce que j'en ai mis plein. Je peux mettre. Ah, il me reste deux boulettes, merde. Pardon. Ah, tu fais péter comme du popcorn. Tiens, du coup, genre. Oui, il y en a toujours un qui veut son truc rouler là. Bon, j'ai changé ma recette, on va voir si il aime ça. Tiens, mange. Ah, parce que c'est parce qu'il est là qu'on mon dieu, honte à moi, j'arrive même pas à viser alors que je suis devant le truc. Mais non, je vais pas faire le forfait, je vais mettre ça dedans. Je fais la vaisselle.
Je suis désespoir. Allez, deuxième service. Attends. Double cuisson. Je tente encore un sushi. Hein. Oui. Ah, ça va marcher. Putain, oh merde. Quoi, mais non, mais. Sushi. Ah, celui-là il est cuit. Vous pouvez. Attends, il faut mettre combien de. Ouais, il faut en mettre qu'un papier. Alors, en général, ça se finit où la commission d'hygiène, si elle passe, elle nous coffre tous. Parce qu'on finit par faire des football dans l'air de travail. Oh, mais non. À moitié c'est horrible. Il nous fait le Twinsen, on voit plus rien. Oui. Une soirée mou. Combien de riz maintenant? Il nous fait vivre le vent. Combien? Ah, le salope. Combien? Mais non. Ah, le brigand. Combien de riz maintenant? Combien de riz maintenant? Oh non. Oh, le four. Non, j'enlève le couteau du sushi. Attention. Je me la joue à la tour. Oh, j'ai réussi à en faire 3. Cool. J'ai fait 3 petits sushis. Oh. Hop. La physique du jeu est remarquable. Du moins, logique. Bon, voilà. Il y a 3 sushis de prix. Il y en a qu'un seul. J'ai fait une pile de caisses. Je l'ai renversé. Tout est tombé. Enfin, du moins, les caisses. Ah, la carole. Pas contenu, c'est pas grave. Mais, Moi, j'ai fait les caisses, hein. Oui. À la carole. C'est bon. On attends. A un peu de tout. Comme ça nous évitera de courir d'une caisse à l'autre. Bah le principal hein, là dans les caisses, du riz et des algues. Mais non. Ah, il y a un truc qui est surcuit là. Il y a un truc qui... Et voilà, toute scène a foutu le feu. Ah merde. Attends, voilà, les caisses voilà, sont potables sur le côté. Bon, là... mais qu'est-ce qu'il nous fait? Bah je vais faire des asperges là. Oui, je sais. Bah alors, le beau parquet. Et puis ça sert, ah si, d'accord. Bah alors, quel client a commandé une omelette norvégienne? Que signifie? Qui veut des pop-corn? Qui? Alors, oh, sans force, c'est mon rôle. J'ai réussi à ranger le. Eh bah attends, faut faire la vaisselle, moi. Moi, il a fait la planche, moi. Alors, parfois, je me suis fait avoir, faut vraiment bien rincer les assiettes. Une fois, j'avais commis le crime de servir une assiette mal rincée. Ah ouais. Eh bah lui, sanction. Le client est pas satisfait. Il paye pas la note. Ça y est, on a des sous. Ah, est-ce qu'il y a du saumon quelque part là dans toutes ces boîtes? Non, il y a que du riz et des algues. Vite, je commande du saumon. Oui, vas-y. Ouais. En fait, ça arrive par où? Par le fond de la salle, par au-dessus, il balance. Tu vois, les caisses tombées. Ah ouais. Tu vois, c'est très violent. C'est un concept. J'aime beaucoup le végétal à l'angle. Fait délirer, j'adore. Oups. Bon, attends, je vais peut-être essayer de gérer un peu de riz. Oh, il y a un riz qui est parti en l'air. Ah merde. Comme il en fout. Ah, vilain rat. J'ai vu un vilain rat. Oh le salaud. Il est parti avec le riz. Non, le rat dissident. Va mourir. Attends, si je mets tout n'importe comment, ça marche quand même. Oui, ça marche. Je sais pas si on recuit. C'est à la fois on obtient de la soupe. Ah, des commandes. Oh, j'ai mis sur un chemise jaune. Ah, service. San Francisco et un nigiri au saumon. D'accord. Il y a un mec qui a adoré son plat. Ok, des commandes surprises. Et pas mal la déco, j'aime bien. Bon, faut que j'arrête de me faire hypnotiser par la déco et que je bosse. Mais... Je vais refaire un des San Francisco, c'est vachement bien. Alors, c'est du riz. S'effondre. Attends, on peut couper l'eau. Robinet. Oh. Deux, mais non, mais. 3. J'ai cliqué sur le robinet. Et concombre. Recouvrir un robinet. Merde. Bon, je coupe le concombre par terre. Personne n'a rien vu. Hop. Mm-hmm. Oh, j'ai encore un robot pollueur qui balance un lien à la noix. Ah, on course le rat. Ah oui, en ce moment ça arrête pas. Hein. Ouais, hein, c'est dingue, hein, il y a des saisons comme ça. Ah, qui c'est qui a commandé des asperges? Et moi j'en ai combien de pain? D'accord. Je sais dans ma tête. Elle a dû beaucoup alors. J'ai bien pu. Hop là. Enfin, si je peux. Ah, alors, j'ai mis un rat, c'est scandaleux. Hop. Voilà. Alors j'ai bien, dans les critiques du jeu, il y a des joueurs, il y en a un qui m'a fait rire, il a dit j'ai chopé un rat, je l'ai foutu dans le frigo, ça a changé ma vie. Voilà, direct, le commentaire. Hop. Il y en a qui ont de l'humour. Il en fout dans la vie. Allez hop. J'ai pas un truc, personne ne veut. Ah, c'est quoi ça? C'est pas grave, tu mets de côté. Bah d'ailleurs, symboliquement, tu pourrais presque le mettre. Alors pas au congé, mais. Oh merde.
Mais fichura de mes deux, va mourir toi. J'ai été chat dans une autre vie, disparaît. Je devrais te resserrer ton nom et te croquer la tête. Alas Carole, comment on le fait? J'ai un. Bon, bah pareil. Avocat. J'ai un truc là, j'en ai mis un. Du riz cuit, faut du riz cuit. Attends, une caisse vide. Ah, mais il y a une asperge dessous. Du riz cuit, voilà. La poubelle. Hop. Et l'avocat coupé. Il est coupé l'avocat. La poubelle. Dans la poubelle. Terminé. Ah, la caisse rentre pas dans la poubelle. Bon, on peut pas mettre la caisse dans la poubelle. N'exagère pas non plus, oui, c'est pas un turbo, alors s'en fout. Alors, c'est vrai qu'en partie illimitée, j'ai fait dire éliminée. qu'est-ce que c'est que ce truc au sol? Sans mon coupé nature. Ah, d'accord. Tout nature. Oh, vite! Du thon! Comment du thon aussi? Yeah. J'arrive pas à m'en saisir. Du thon. Et le couteau. Ah, le couteau, il prend. Je vais te commander du thon. Tuna. Allez, ouais, parce qu'il y en a pas là. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai pas vu cette caisse avant? Ah, là, c'est une caisse vide. Ah oui, c'est la main en ouvrant le. Mais. Oui, j'ai réussi une recette à faire un rouleau. Bravo! T'es un chef. Voilà. Il en veut combien lui? Rien, avocat. Alors le thon est là. Trois, chaque fois ils en veulent. Le thon. Ah, il y en a qu'à voler. Je le mets au frigo. Il y en a qu'à voler. Ah, merde. Il en aura trois. 3, je sais plus lequel c'est le troisième. Ah, il y a un troisième qui a volé, il est où mon troisième? L'avocat, je sais pas. Oula, je suis en train de composer une œuvre d'art en empilant les caisses. Oh, mais. Quoi. Mais l'assiette dans mon. Ah, mais c'est du saumon. T'as eu l'envie de manger un vrai chez le luxe. Bon, tant pis, je vais lui donner ça, il va être content. Allez, tant pis. Il est où lui? Un bon. Il est où les 3, il est une R2. Alors, une caisse en moins. Est-ce que j'arrive à empiler à deux? Look. Ah, là, non, il va plus. Ouf. C'est pas grave, c'est rigolo. Aïe. Mais, façon, mais non, mais. mais attends, le truc, il est tombé de l'assiette. Alors, je vais vous refaire du riz. Vous avez pas mangé votre. Mais oui, vous avez pas mangé votre troisième rouleau, monsieur. Bon, bah. Oh, bah, il n'avait pas faim tant que ça. Ça doit être assez cruel en vrai quand t'es restaurateur et que tu vois que le client finit pas son assiette. Ça va être un peu dur. En fait, il y a eu un bug. Quand j'ai posé l'assiette, le rouleau, il a sauté hors de l'assiette, donc il a pas pu le manger. Ah, je vais essayer d'en faire. Ah. J'aime pas trop les feuilles d'algues. Arrangées, elles glissent dans les rayons du... Oula. Et c'est pas un bac. Du riz cuit. C'est pas intuitif là pour le coup, les feuilles d'algues. De l'avocat coupé. Il y a de l'avocat qui s'en est. Mais. Il n'y a plus d'avocat. C'est ah merde, ne déconne pas. Bah non, on ne voit pas. Ah vas-y, c'est vrai que j'en ai pas manipulé les avocats depuis le début de la partie. Je te l'accorde. Ah si, j'en ai coupé un, mais bon, c'est pas. Ouais, c'est bordel. Mais... Tu vois, moi j'ai même pas vu l'ombre d'un avocat, ni c'est. Hein, bon. Voilà. Ah, alors les avocats arrivent. On a entendu la sonnette. C'est quoi ça? Attends, c'est une caisse. Je ferme la porte du congélateur, parce que je la prends dans la tête. Bon réflexe. Ah! Cette avalanche de caisses vides. Ah, il y a des nouveaux clients qui arrivent. Alors, messieurs dames, c'est où? La description me fait peur de bug. Le mec qui avait la tête dans le plancher, alors... quand même. Ça va être violent. Asperge et. Je fais toute une caisse de riz là à cuire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est la caisse, elle a un peu buggé. Ah, c'est une chose qui arrive. Asperge 8. Alors, mais non! Il y a 9 boules de riz. Oh non, la poêle elle a buggé. Ah, ça y est. Ah. Alors, elle avait buggé dans. Je sais pas si ça se fait. Alors, ça dépend des conditionnements dans chaque pays, mais je ne connais pas les boulettes de riz déjà préconçues en boule à cuire directement. Le riz sec, d'accord, mais pré-cuit en boule, je connais pas. Ah oui, comme tu dis, j'ai un bug aussi. Oh, mais c'est pas possible. Par contre, une particularité culturelle des Japonais, les Japonais ont découvert le fromage à la française depuis peu. Parce qu'il y a riz.
Ils sont pas habitués à en manger. Et en oui, fait, c'est trop fort pour eux. Bah oui, c'est l'exotisme pour les fromages. Et en fait, si vous voulez, culturellement, eux, c'est pas tous les Japonais. Au nord, l'île de Kaido, vous achetez un fromage dans une supérette japonaise, vous le verrez pas présenté dans l'emballage que nous on a l'habitude de l'avoir, du genre les belles boîtes rondes en léger bois là. Eux, ils servent les camemberts en conserve. Il faut décapsuler, comme une grosse, tu sais, une grosse conserve de thon, ronde et plate. Tu dois la dégoupiller et tu peux libérer seulement à ce moment-là ton camembert, ton fromage. C'est pas du camembert. Mais c'est comme ça que les Français, les Japonais aiment le fromage. Enfin, du moins, le conditionnent. C'est des bizarreries culturelles, quoi. Mais bon. Ça devrait pas changer normalement les qualités gustatives du produit. J'ai fait le deuxième sans rien. Hein. Ah ouais, ouais. Il n'y a plus de clients, c'est normal ou on est victime de... Ah oui, parce qu'on a tout servi. Tout servi. Vous êtes des chefs. Incroyable, nous sommes incroyablement bien rodés. Voilà, normal en cuisine. Bravo, oui, non mais... Je m'incline. Oh, petite recette. Alors, au lieu de faire vidéo avec les recettes, où je regarde, j'anticipe, qu'est-ce qu'il pourrait nous manquer. Contre les caisses, qu'est-ce qu'on en fait des caisses là? Non, on les encaisse à l'arrière, moi j'en fais une sculpture que je rendrai très les cher. Caisses, on les encaisse. Musée qu'on braquera dans le jeu. Ah, ça fait un peu gitan, moi, perdu la main, oui. Même en vrai, parfois, les avocats, ça me glisse des mains, parce que ça sointe en humidité. Et... L'avocat est trop soumis. Oui, il y a un effet savon. Mais j'ai très bas. Merde, il y a une rondelle de saumon qui s'est barrée, je sais pas où elle atterrit. C'est bon. Ah. Elle est par terre. Oula, il y a deux... Alors là, j'ai encastré la caisse des avocats dans le plancher. Ne me demandez pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. On dirait quelqu'un qui fait du tam-tam. Oui, c'est trop étrange. Oh, il un message. Ah, attends, je sais pas, moi je... Ah oui, tu as raison. Merci, et j'ai même pas... Mais j'ai du caca dans les yeux. On a une superbe armoire métallique derrière, je l'ai même pas sollicité. Ah, mais j'ai un qu'à mettre au milieu. Bravo. C'est déjà un peu plus propre, hein. Oui, tu as raison, je valide. D'ailleurs, celle-là, c'est quoi? C'est à moins que les caisses... Attends, je vais faire un test avec une caisse, parce que... D'habitude, il y a toujours des poubelles pour mettre les caisses vides, là, il y a... Ah oui, attends. Il y a une zone là-bas... Non. Explorer. Tu crois? Non. Bah non, non, c'est bah non, mais non, c'est le pont, c'est le loyer des clients. Malheureux. On va pas l'obstruer. Je vais pas casser les vitres. Je vais prendre une commande. Hop. C'est une fausse asperge. Et ils veulent deux San Francisco. Voilà, il en faut deux. Le client qui veut ça. Allez, hop, asperge. Bon. Attends, moi je suis. Mais t'asperge qui là? Ça y est, moi j'ai fait. Je suis en train de faire l'asperge pour. Je sais plus qui. Là. Je suis trop tôt. Hop, voilà, ça y est, eux sont dedans. Par contre, la note d'eau va être salée, hein, parce que l'eau n'arrête pas de couler. Ah, le robinet n'a jamais été fermé. Ah bah bravo, j'aime vous faire chier. Des asperges. Tiens, j'ai des asperges. Ah oui, attends, j'arrive, merci. Ah bah tiens, je te laisse gérer le... Allez, j'ouvre. Et voilà, casse. Pardon, je l'ai honteusement propulsé contre le mur à côté de moi, à ma droite. Alors, c'est du bourrage de frigo, parce que je respecte même plus les étages dans le... Mais ça passe. La. Alors en vrai, je me rappelle au début de l'été, il y avait la véritable. Oh putain, j'ai tout fait voler. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Ça évite des intoxications graves. La répression de la consommation et des fraudes qui est passée dans un resto à quelques bornes. Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir Dragon de Belgique. Ah, coucou Dragon. J'espère que ton séjour en Belgique se poursuit bien. Déjà que t'es venu faire un coucou ce matin, c'est sympa. Il manque un truc de saumon. Bref. Concombre coupé. Pour vous dire, heureusement qu'ils sont là, la répression des fraudes et de la consommation. Concombre, il n'y a pas de concombre. Il y a... Comment c'est que... Je sais pas, j'en vois pas. C'est pas un concombre, ça? Alors, j'ai tellement calé au fond du frigo avec des avocats que... Je commande du concombre. Ouais. À moins que ce soit une algue. Bref, il y a eu un resto qui s'est fait pincer à une dizaine de bornes de chez moi et les journalistes qui ont publié les photos, c'est à vomir.
C'est, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu commandes un plat chez eux, tu meurs. Bon, effectivement, on va dire que c'est un concombre. Ah oui, tu veux le concombre. Oh putain, mais pourquoi il y a des sushis au sol? C'est dégueulasse. Il y a tout qui vole. Non, j'ai pas fini. Attends, je sais pas comment c'est ça, mais excusez-moi. Et saumon, il faut du saumon. Ah, saumon, j'ai. Attends, je sais plus ce qu'il me faut, moi. Merde, j'en commande. Oh la vache. Ah mais non, le saumon, il est là. Oui, le saumon, j'en ai recommandé. Oui, bravo. Aïe. Pardon, excuse-moi. La caisse, elle a volé derrière. Ah bon? Ah oui, merde, j'ai même pas vu, tu vois. Ce bordel. Oh, mais on parle pas. Alors, saumon pour une scène. J'arrive, tiens. Oups, pardon, j'ai piqué ton saumon. Mais non, mais il me donne le bloc. Bah oui, après, toi de le gérer, excuse-moi, je sais pas comment tu le cuisines, moi. Le riz, il est pas cuit, moi j'ai du riz pas cuit, là. Mais c'est pas pardon, ça. Je suis le comique cuisine. Voilà, chacun son, là. Ah, mais non, il a repris la feuille. Ah. Bon, ça y est, j'ai failli aussi. Pardon, monsieur. Ah. Bon, il y a un riz pas cuit qui rebondit par terre, c'est normal? Qui rebondit, ah, un riz sauteur. C'est quoi ce délire? La cache à concombre. Ah, il y a une assiette. Je pense qu'en vrai, j'ai oublié de m'en acheter en faisant mes courses. Et j'ai pas envie de me faire une salade. Crunch. J'aurai ma revanche la semaine prochaine. Je n'oublierai pas de m'acheter un concombre. Ouais. Ah oui, alors. Alors, eux, ils veulent quoi? Ils prennent une bonne salade de concombre. Il n'y a pas plus simple. Hein. Tu le coupes en rondelles, là. Ah. Oh, ils veulent du thon. Je sais pas. Ah! Ou carrément, à la sauvage, tu croques dedans. Moi, ça m'est déjà arrivé de me prendre un concombre, j'ai croqué dedans et c'est bon aussi. Il y a même pas besoin de trois concombres. Bon, bref. Qui veut du San Francisco? Voilà. Ma vie est passionnante. Voilà, comme vous savez. La, 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 la. Alors, j'ai jeté le saumon sur le couteau, ça a tout coupé. Le concombre de mer. Donc. Je me rappelle jamais ce qu'il faut dans le... C'est de l'art, messieurs, dames. Ah, avocat. Moi, j'aime bien. C'est de l'art contemporain, et comme disait Gad Elmaleh dans son sketch, je suis content pour rien. Dragon qui dit, pour la visite de l'Atonium, c'est prévu de faire... Oh, je t'envie. Alors là, Dragon, je t'envie, j'adore l'Atonium des Belges. Il est trop stylé. Alors, je crois que je suis... Non, je suis jamais monté dedans, parce qu'il y a des trucs à visiter, il y a un resto, je crois, dedans. Mais de loin, déjà, il y a un point de vue, il y a, je sais plus, une colline aux alentours de Bruxelles. Et tu vois l'Atonium, mais quand il y a un beau rayon de soleil, il est superbe. La structure, elle est trop bien. Puis ça fait ville moderne, parce que franchement, l'Atonium, voilà, c'est le coup des atomes, ça fait penser à la science. Et je trouve que ça fait trop stylé. Je salue le bon goût de nos amis belges. Mon dieu, oh, mais qu'est-ce que tu fais avec la boîte? T'as mis la poêle par terre, tu sais. Oui, j'allais dire que t'as fait football avec, malheureux. Alors, c'est vrai que la cuisine asiatique, là, avec les sushis, on sert pas souvent du four, hein. Mm. C'est pas mal. Non, mais je pense que... Je pense qu'on peut-être cuire le riz plus rapidement là-dedans, en en mettant plus que dans le... Bah, moi, le riz, je te mets une caisse complète. Je te mets 9 boules d'un coup. Et blam. Donc, en général, quand il est ouvert, c'est... servir dedans et je repasse à l'occasion quand je vois qu'il est à peu près vide. Et je vois que bah là, celle-là voilà, fait le geste. Ferme. Alors attends, moi je vais me calmer avec les algues parce qu'on en a encore deux caisses pleines et on en finalement on en consomme pas tant que ça. Une mauvaise évaluation de ma part. Ah, j'ai des clients invisibles. J'ai des clients invisibles. Regarde au niveau de la chaise si t'as pas une tête dans le sol. Non, non, mais j'ai des bulles comme quoi ils demandent une commande et puis je vois rien. Parfois, moi j'avais ça aussi et la tête elle était dans le sol. C'est bizarre, c'est rigolo, souci de détail, la table sur laquelle repose l'ordi où on passe les commandes, la table elle est imparfaite, on voit qu'elle est baignée, qu'elle s'est plombée. C'est quoi ce bordel? Bah pourquoi il y a encore de la bouffe au sol? C'est normal, tu donnes à manger, c'est pas grave. Oui. Mais ça vole en fait, hein, c'est pour ça. Oui, les plats arrivent plus vite que pour bon, les évidemment. Alors, Dragon nous dit par contre, au niveau des repas, sachant qu'ils respectent les traditions belges, il n'y a pas de morceau de pain le midi et le soir. Ah, ils connaissent pas le pain, les Belges. Existe la... Ah, je sais pas, ça, j'apprends. Tu vois, j'apprends.
Je savais pas que les Belges n'aimaient pas servir le pain dans leur table. Enfin, sur leur table, pardon. Oui, y a plus de clients, tu peux t'amuser un peu. C'est sans risque. C'est bizarre, ton avatar, le perso que t'incarnes, tu une scène, me fait penser à je sais pas qui. Ça fait très star américaine ou. Oh mon dieu, j'ai de la mousse dans le front. Il y a des clients, stop, ça suffit les conneries. Et que ça sauce. Mon dieu, ça va même sur les vitrées, la mousse. Oh bah, t'es magnifique, Christella, t'es complètement en bonhomme de neige là. Alors, ah oui, il y a un bug avec la. Ah bah tiens, ouais, il y a un bug avec la table, ouais. Ouais, je sais pas, on dirait qu'elle s'est prise des coups. Alors, Nigiri Asperge, on a le tableau de commande au mur. Ça c'est malin d'avoir mis le truc au mur, c'est extra. Je fais l'asperge. Ouais, vas-y. Faut du riz cuit. Je vais faire le shrimp, je sais pas ce que c'est. Oui, moi je suis attristé, on est noté client mécontent en rouge. Ah bah, oui, content et crevette. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, on peut couper la lumière. Le mec, il est farceur jour, nuit. Oh, cet accident, la chiette. T'es pas là, quoi. Comme ça me fait peur. Ah, bah d'accord, j'ai perdu la main. Voilà, c'est mieux. Ah, t'as perdu la main. J'ai pas fait exprès. Tu l'as déjà perdu la main. Ça me fait mal. Oula. Ah, tu coupes carrément même le plancher que Stella, on t'a vu. C'est juste un scandale. Ascarole, c'est quoi les Ascarole? C'est des vides, ça? Ah ouais. Oh là là. Oui, je suis ça pas... Ça y est, ça. Oh, y'a un rat qui passe. Y'a un rat qui passe. Non, qui c'est qui voulait le machin? Des caisses au fur et à mesure qu'on les cumule. En fait, si on joue à fond le scénario en infini pendant 4 heures, je vous parie qu'on finit par mourir écrasé par les caisses vides. Parce qu'apparemment, ils disparaissent. Non, quand même pas. Donc... Bon, il doit bien y avoir un endroit où on peut les mettre, non? Je sais pas, j'ai pas trouvé. Ah! C'est lavé sans assiette. Le rail m'a mordu. Je suis scandaleux. Ah! Villain bait. Villain bait opportuniste. Va mourir. On continue, je te mets dans le four. Ah non, ça fout le feu. Ah, qui c'est qui veut piéger dans le four? Ah non! Qui a osé? Moi, je voulais voir si ça brûlait. Oui, bah oui, je te confirme. Je l'avais fait dans un scénario précédent et au final, le resto avait brûlé. Alors, ça a commencé par le four, puis la cuisine, puis tout le quartier. Alors... Ah, mais comment on bugué? Oh, ils veulent quoi, eux? Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai dévoilé tous les succès incendies. En fait, ça a été tellement immense que j'ai tout déverrouillé. Vous aimez. Oui, non, mais il y a un truc du genre, vous avez foutu 25 fois, 50 fois, 75 fois. Puis on a arrêté la partie, j'avais un souvenir où tout était en feu, je sais plus. Oh, j'ai oublié d'être là. Enfin bref. Tu es en feu. C'est là où je déconne avec Torotin en disant je postule comme cuistot, le CV, 4 morts, 5 restos détruits. Pardon. Oui, alors tant pis, moi je suis acharné du rat, ce rat m'en fout, poubelle. Tu fais cela, d'accord. Eh oh, le frigo se vide là, faut que je mette des Alaska. Alors, bah, j'ai pas des poissons, des crevettes. Shrimp. Oh, mais merde. C'est pas frais. Alors, le riz et du concombre. Ah, si, oui, c'est crevette. Oh, pardon, j'ai oublié de te lire, dragon. Tu vois, le jeu est tellement nerveux que j'ai oublié de te lire. Mais non. Par contre, il y a du pain de nuit le matin au petit-déj. Ah, ouais. Ah, bah, c'est le singe qui fait jacouille le jour nuit. Oui, c'est ça. Exactement. Ah, poisson. Le poiscaille. Alors. Où la crevette? Ah, la crevette? Les crevettes, il y en a une là. Voilà. Hop, oh, j'ai encore appuyé sur le truc pour faire cuire. Ah, oui, faut pas se couler. Se couler. Il faut pas se couler de chair de. Le poisson, le bon et l'oranger. Ah, il veut trois crevettes. Oui, trois crevettes, faut qu'il mette dedans. Bon, on va leur mettre trois crevettes, les coquillons. Allez-y. Oui, crevettes. Ah, c'est vrai, crevettes. Ah bon? Non, c'est pas les crevettes. Mais non, c'est pas les crevettes. Elles sont les crevettes. Eh ben, c'est l'autre caisse que j'ai pas manipulé. Ah, là, il prend. Bah, t'as pas. Voilà, t'as perdu à la pioche. Voilà, c'est tout. On n'a pas d'assistant crevette, hein. Oui, bah il a crevé, comme c'est son crevette, excuse-moi. Non, est-ce qu'il y a du riz?
Il faut du oui. Ah merde, s'il y en a plus, c'est la peine. Ah, il y a plus de riz, il y a plus de riz, ouais. Sérieux? Attends, je commande. Attends, là il y a un riz cuit, il y a un riz cuit qui est à côté de la machine. Ouais, ça peut te sauver, mais le... tout est bien. Vas-y, vas-y, commande, commande. Commande deux caisses comme ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Merveilleux. Ouais, pardon. Je prends la deuxième de voilà de riz. Non mais t'as raison. Et hop, une caisse complète dans le machin et ça cuit. Attends, lui il est cuit, lui il est cuit. Alors là, il faut deux assiettes de trucs saumon. Allez, hop, très simple. Quick. Merde, c'est encore pire. On va faire trois, c'est saumon. Il y en a un troisième. Ouais. Merde. Mmh. Une, deux, trois. J'y arrive plus. Le riz qui est tombé. Oh. Comme c'est du riz gluant, ça adhère aux parois. Bon, en voilà une. Comment ? Je connais ce mot. Oh merde. J'ai servi la scie, tout est parti à côté. Il n'y a pas de saumon, j'ai coupé pas de saumon. Tenez monsieur. Oula. Oh mais il y a un bug au niveau de la table. Ah ! Hop là. Kipouk. Le vrai cuit, il est cuit. Chikipouk. Merde, attends, faut que je mette tout. Avocat. Hop. Ah voilà. GG, on a un client satisfait. Non mais y'a pas moi qui coupe des trucs par terre hein. J'ai vu le message de la thune qui est arrivé. Allez, cuisez-moi ça. On va mettre Il y a que trois, on a que trois assiettes dans tout le restaurant. Je le crains. Ouais, c'est assez tendu. Alors je sais que j'ai un peu plein. Il est un peu plein le truc à riz, non? Oui, vas-y, j'ai presque envie de dire bourré de viande. Ah oui, là, il est. Oh, la bourré qui a. Mais non, il est pas dit cuit, il est dit raw. C'est pas normal. Il y a un rat avec. Qu'un couteau dans le bide par terre. Quoi? Ah oui. Ah, il m'a échappé des mains, il m'a mordu le rat. Dina. Il va me donner la rage, le tétanos et le cancer du sida. Je sais pas, mais. Ah! Il va me donner les cochonneries! En cuisine, tu fais pas en cuisine, pardon! Elle est bonne celle-là! Il y a eu collision. Oh, c'est adorable! Dani, il fait le truc. Oh, un relais de chaîne adorable! Eh ben, tout à l'heure, je vous ai fait relais de chaîne chez Estrait. Merci! Gentil tout plein! Eh ben, j'espère que ton jeu d'énigmes s'est bien passé! On s'amuse à faire les cuistots avec les copains là. Oui, bonjour, ça pense amusant, Arnaud, c'est bienvenue. Oh, gentil, merci. Eh bien, dis donc. Bah, installez-vous, voilà. On est sur un jeu qui est très amusant. Moi, je l'aime beaucoup. On fait des cuistots dans différents scénarios. Là, on découvre un scénario qui est payant dans le jeu, qui est le resto à sushi à bord d'un navire. Et donc le jeu c'est, vous le voyez à l'écran, même moi je sais même plus, mais je suis en train de me dire, je suis en jeu chatting. Oui, tu les ramènes, merci. Je suis en train de me voir que j'ai pas la bonne catégorie. Et c'est un relais de chaîne, merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Attendez, pardon. Bienvenue. Ah oui, j'ai oublié de changer de catégorie, faute. Oh, faute de ma part. Il faut que j'ai un relais pour me rendre compte que je me suis planté. J'avais essayé étrangement le jeu chatting. Enfin, par défaut, c'est pas forcément un mal, mais. Je sais même plus où je valide ma catégorie, moi. Je vais y arriver. Ouais, j'espère que c'est bon. Alors, non, c'est pas bon. J'ai le bug. Bougez pas. Oula, on dirait qu'il lance la polka, mon perso. Mais non, lâche l'assiette. Donc, One Armed Cook, c'est là où je voulais en venir, le jeu. Où, à la base, il est gratos. Il y a la moitié des scénarios qui sont gratos. Mais très intéressant, n'hésitez pas à découvrir le jeu. Merci, à plus. Bon dimanche à toi, Estrait. Merci tout bien. Bon dimanche, vos applaudissements. C'est ça, exactement. Mon Dieu, l'extincteur, et voilà. Bon, bref, je retourne dans mon rôle de commis de cuisine. Qu'est-ce que les crevettes font dans le... Enfin, bon, bref.
Non, je cherche plus à comprendre. Mais bon. Oui, là, faut pas comprendre dans ce restaurant. Tant que ça tourne, voilà, c'est essentiel. Bien, attendez, j'ai eu un. Oh merde! En bourrant la machine de riz, j'ai remarqué que certains étaient considérés pas cuits. Il faut pas trop bourrer la machine, ouais. Oui, t'oublies de mettre le son, ouais, effectivement. Une scène, t'as mis un sushi à cuire, il va prendre feu. Oh merde. Attends. Il est fou, lui. Oui, il est fou. J'avais une assiette qui était mal lavée. Ah, tu vois. Ah bah alors, faut faire la vaisselle, monsieur. Ouais, ça m'arrive. Oui, pourtant j'ai fait. C'est vicieux, faut bien voir pourquoi elle est bien blanche. Attends, c'est quoi? Bon. C'est une vitre, là. Elle me fait peur, cette caisse. Alors, anticipation des besoins. Algues, c'est bon. J'ai même plus de questions à me poser. Les algues, on est tranquille pendant encore une heure. Les boulettes de riz, c'est bon. Chair de poisson. Oh, le saumon a du succès. Les asperges aussi, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah, c'est du saumon. Du thon, pardon. C'est quoi ça? Oh, il y a du riz cuit par terre, tiens, je le prends. Dit comme ça, c'est tellement vite. C'est horrible. Je vais recommander du saumon. Et peut-être des avocats, je crois que les avocats ont leur succès. Attends, je sais plus ce qu'ils veulent, eux. Voilà, voilà. Tout le monde, soyez les bienvenus. On s'amuse comme des petits fous. Mais saumon. Ah, on aurait des commandes et les caisses dans la trouche, ça fait peur. C'est pas ça. Et surtout, babao. Ah, il n'y a plus de papier de riz. Pas de. Non, non. Ah, les algues. Ouais. Si, monsieur, il y en a plein. Oui, j'ai vu par terre. C'est pas mal de dire papier de riz, j'aime bien. Mais. Je peux tromper. Oui, du nori. Voilà. Mm. Oui, algue nori. Mm. Merde, c'était quoi qu'il faut. La Wakanda, tu fais lesquelles? Je fais le Alaska roll. Ouais. Je sais plus. Je crois que l'algue wakame, on s'en sert juste pour les potages au Japon. À vérifier, je suis plus sûr. Mais la wakame, elle est. Enfin, moi, je l'aime bien. Elle est plus forte, elle est plus sombre d'aspect. Je fais les crevettes. Elle a un goût qui pète pour une algue. Enfin bon, tous les goûts sont dans la nature. On a des beaux barbus. L'avocat. J'ai planté la quesmine. Mais on ferme le cutter à riz, mais. Heureusement que le riz, on peut pas trop le cuire. Hein, parce qu'alors, deux fois, on referme le truc. Eh oui, pour les nouveaux, je refais la vanne hein, en restauration. Du succès à la déchéance. Vous faites succès au début avec des avocats frais, puis faillite avec des frais d'avocat. Ah, on l'avait constaté en compagnie d'Arsenos. L'adorable Arsenos TV. Qui, lui, le Vénard, a eu le plaisir de se rendre au Japon le mois dernier. Il y a deux mois déjà, pour passer le mandat. Il a eu la gentillesse de publier ses photos dans le Discord, et ça que c'est bon. Chaque Archenosh. En fait, ça finit le niveau là. Jamais. Il y en est limité. Donc, quand t'es lassé, tu le dis, on passe à autre chose. Oula. Alors, moi, j'ai une prise de commande, mais c'était des chaises vides. Oui, nous aussi, on a le même bug. C'est merveilleux. Oh, j'ai un succès. J'ai eu un succès de laver sans assiette. T'es le roi de la plonge. T'as eu un bonus avec tes chaussons poissons. Francisco Roll, je vais faire. Je l'ai pas fait celui-là. San Francisco, c'est prendre. Là, concours, ils sont. Par où arrivent les rats? Je suis besoin qu'ils arrivent comme par les clients, mais. Je doute que les rats sautent par là où on est livré. Attends. Alors, je vais commander des concombres et je vais cuire le riz. Allez, qu'est-ce que c'est les navicats. Et le truc, il a foutu en l'air. C'est rigolo parce que le son de la cloche, c'est ça dans le navire. C'est ça. Ah oui, il n'y a plus de riz qui vit. Oula, il était temps. Il y en a plus de riz? Non, si, il y en a une caisse contre le mur. J'ai pas eu le temps de la ranger, chef. Alors? Ah bah.
Ah, c'est lui. C'est pour ça qu'on s'expose au risque. Mon Dieu, pourquoi il y a eu quelqu'un qui fait du football avec les caisses ou ils se sont écroulés? J'ai peur qu'elles se soient écroulées. Ah bah tiens, les concombres sont là. Oh merde, je sais plus qui est quoi là. Attends, je vais faire un mur. Le rat qui se baraque. Un bout de temps, dis donc. Putain, allez. Je vous dis, on joue, on continue encore une heure. Je vous dis, à la livraison, il y a une avalanche de caisses tellement qu'il y a, des vides qui sont cumulés. Ça va être délirant. Avec un peu de chance, on n'aura même plus besoin de se déplacer dans la pièce à côté parce qu'il va y avoir un tel encombrement de caisses. Il va y avoir une avalanche. Ça va rouler naturellement. Comme presque un ruisseau, là, ça va arriver à nos pieds. Oh, joli! Un client a été servi. Ah oui, non, c'est une annonce auto du robot. Je me dis qu'il se passe dans le chat ou en train de défiler. Mais non, c'était une annonce programmée du robot. Ah, voilà, voilà. C'est sacré. Ah. Attends, moi je me fais la petite pause alimentaire, je vais voir un coup. Parce que, on dirait pas comme ça, mais c'est prenant comme jeu. Le rythme est soutenu. Ouais. Oh, oula, ah oui, bizarre. Bon, c'est pas fini, coup des... On est d'accord, les espèces de crevettes machin, c'est toujours cuit, non? Non, c'est précisé, c'était cuit au cru. Ah merde, alors j'ai peut-être pas les cuire tout de suite. Généralement, c'est cuit, c'est cru. Attends, je sais plus ce que... Ouf. Le dernier a été voilà, comme un procédeur. Alors, le président. Allez-y, lisez vodka. Alors, un vodka dans le frigo. Oh, pardon, tu voulais quelque chose dedans. Oui, il y a une caisse qui est bloquée tête dans le mur derrière. Ah oui. Oh là, il y a un bug de position, ouais, ça fait peur. Enfin, c'est pas dérangeant dans les manœuvres, mais ça fait peur. Merde, j'ai fermé le... Oh hein. Porte de frigo qui fait du football avec l'avocat. Là, monton. Oh là là. Eh, il est passé où, mon riz? Un riz sauteur. C'est le riz sauto. Ouais. Donc c'est pas celui qui joue avec son micro, là, devant la, la roue des gains. Le riz, désolé. Mais ça vole partout. Elle était gratuite, celle-là, j'avoue. Ah, hop là. M'apprendra à dire des sottises. J'ai perdu la boulette de Rick 8. Oh, ça présente bien, c'est beau. Ah, ça, le rat, ça présente pas bien, c'est pas beau. Poubelle. Vilain rat. Pédu. Voilà, voilà, le boxon dans le... Ah bah d'accord. Je referme le frigo. Oh ! D'accord, tout va bien. Oh, je sens que je peux recommander du riz. Incroyable, mais vrai. Bon, bah c'est reparti, on va se faire deux boîtes de riz. Oh bah, une, trois. J'ai glissé, chef. Ding, 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 et pan. Merde, le couteau, il a volé. In your face. Ah, mais non. Ah! Mais ça fait peur quand il balance les caisses! J'ose plus m'approcher! Faut pas en faire des caisses, hein! Ah oui, alors! Qui l'eût cru? Ah, ah, ah. Le sucre! Ouais. Voilà, voilà! Qui l'eût cru? C'est le sucre! Ah oui, alors! Ah! Ah. Oh. Oh, j'ai la bonne position. J'arrive à... Personne n'en veut que là. Ah merde, il est en train de sauter. Je viens de la perdre. Oh.
Bon ben ça sera pour d'autres clients. Faire des shrimps. Bon, je crois qu'il est raisonnable de ne pas excéder 9 boulettes de riz dans la machine à cuire parce que vous voyez une caisse à la fois, c'est déjà pas mal entre nous. Sinon c'est abégé. C'est abégé. Le riz ça vole partout. D'ailleurs, honnêtement, il y aura un quatrième joueur. Alors le riz cuit et le riz qui roule au sol sur le plancher. C'est une honte. Est-ce qu'on peut cuire le riz? Ah oui. Incroyable. C'est d'aucune utilité, mais on peut. On va inventer une nouvelle recette. Alors ça, je sais pas qui. Voilà. Alors, est-ce cuit? Oui. Oui, on pourrait presque prendre une caisse. Alors, il y aura un quatrième joueur. Je me condamnerai à faire que du riz. C'est-à-dire que je remettrai le riz cuit en caisse. Et je pourrais créer un flux continu de. J'allais dire de caisses. J'arrive pas à couper le lock. Enfin bref, vous m'aurez compris. Mais. Ah, ce rat est tenté par le. Allez. Oh pardon. Il dit des saumons vivants, ça saute partout. C'est ma faute. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est une scène. Bah oui, j'ai court-circuité. C'est quoi les rats qui sont vitrés? Tout qui va. Mais il y a des rats dans. Mais vous avez vu, on a plein de rats sur la vitrée. Oui, j'ai l'impression que ceux qu'on jette dehors, ils bug, ils restent coincés. Ok, bon, je comprends plus rien. Excuse-moi, non, il était là. J'ai refermé le riz, mais bon. Non, puis moi, j'interfère avec le. Alors, je sais plus. Oui, ça, c'est à cuire. Alors, attends. Oui, celui-là, il est cuit. Ah bah, j'ai pas fait mieux que toi, parce que c'était là. Magnifique. Oh merde, mon assiette, elle est où? Alors, qui veut de la soupe de riz? Cuit 10 fois, accidentellement. Pouvoir jouer presque au Bennington avec. Ouais. C'est du riz, c'est, au moins c'est du riz bien cuit. Hein. Envie. L'assiette qui est prête à gauche de l'évier là, c'est des trucs aux crevettes. Hein. Mm-hmm. C'est des shrimps? Des shrimps qui est prête. Hein. Ouais, parce qu'il y en a qui en veulent des shrimps. Non, on voulait, il n'y a plus personne qui en veut. Ici, là, ils viennent d'arriver, le nouveau client là. Le monsieur contre le mur, il veut des shrimps. La chandelle. Tiens, en parlant de riz, il a une sa gueule. Chose importante, oh la vache! J'ai souvenir d'un vieil article qui me revient en mémoire que j'ai vu dans la presse au niveau des nutritionnistes. Il y avait eu un groupe de personnes, on va dire un groupe témoin, un peu comme dans les expériences scientifiques, là, qui avait eu des maladies dégénératives, un manque dans l'organisme en fait, à force de manger trop de riz. Mais trop de riz blanc. Et il s'est avéré, et le nutritionniste expliquait bien, il disait que évitez de manger trop de riz blanc et forcez-vous parfois de prendre un peu de riz complet, car le riz d'aspect marron plus dur, parce qu'il y a encore la coque qui est là, ça a son importance, c'est là où il y a les plus importantes valeurs nutritionnelles pour l'organisme. Mmh. C'est ce que je fais moi de temps en temps, je mélange du riz brun, du riz rouge, du riz normal. Tu fais du riz licorne, avoue-le, c'était là. Tu fais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ça qui est bon et qui est sûrement bon. Ah! Bah oui, c'est bon. C'est Oui, le rat, c'est oui, pas même l'avocat. Avec l'avocat. Alors, j'ai le rat, je te laisse récupérer l'avocat. Moi, je récupère l'avocat. Voilà, merci. Oh là là, le boxon dans la cuisine. Ben, il est où mon avocat? Ah, je sais pas, j'étais envolé. Ah, mais. Oui, c'est vrai en plus! Ah bon? Je viens de le voir passer. Ah, je crois qu'il y a eu un bug. Il est parti en volant, l'avocat. C'était un avocat volant. Il a déclaré son indépendance et on lui dit adieu. Ah! De pire en pire, les bugs. J'ai encore vu un riz. Bon, attendez, je sais plus. Aïe. Alors, ça, c'est du riz cuit, donc ça va là. C'est dégueulasse. Ouais, c'est horrible. Hop là. Ah non, ça tombe dans la machine, tiens. Panier. Oh putain, mais. Allez, panier! Ça y est, on commence à faire des conneries. C'est merveilleux. Le saumon est victime de son succès. Oh, le bon, j'ai fait un truc de thon pour rien. Bon. De son succès. Oh, une acide de thon, là. Ouais. Ah merde, mais il y en a encore, là, du riz.
Je peux vous en refaire encore du riz. Ça mais vaut le quoi du saumon et. Alors, c'est quoi à ça à la scarole. C'est du. Ouais, c'est du cuit. Ah, attendez, je vais isoler un peu le riz qui est pas cuit. Je le ferai tout à l'heure. Si j'arrive à le ranger. Merci. Le saumon commençait à bouffer trop de saumon. J'ai commandé la petite caisse que je vais ranger dans le frigo. Le frigo. Mince, le couteau a disparu. Ah bon? Ah, il est là. Ah. T'es par terre. Magnifique. Quelqu'un aurait pu terriblement se mutiler en marchant dessus. Tout va bien. Voilà. Mais quand même, un bout de riz et un bout de saumon, le mec, il a faim, ça. Super. Oui. Moi, j'aurais pas assez faim, moi, là. Ah, c'est terrible. Quand t'as la note de frais dans un resto et que tu sors de table en disant « Merde, j'ai encore faim », c'est terrible. Terrible frustration. Ah ! Mémé ! Oh ! Non, vilain rat ! Trou nounouf de rat, poubelle. Allez hop. D'accord, je pense que dans les autres scénarios, les rats, je les passe au four à la poêle et je les balance en feu dans la rue. Et le pire, c'est que c'est horrible, mais c'est horrible. Voilà, j'en dirai pas plus, j'ai honte. Mais c'est terriblement drôle. Bien que terriblement cruel. Bon, bref. J'ai une vie passionnante. Bon, je récupère les crevettes, là, que personne n'a a voulu. Ah, oui, alors. Je vois dans mes radars les pseudos de certains. Et sachez que vos pseudos me plaisent bien. Ce pliage. Ouais, je vois que certains d'entre vous sont inspirés pour les pseudos. Bravo. Alors. Ah, c'est fou comme j'ai eu un très mauvais jugement des algues. Finalement, je finis par m'apercevoir que c'est ce qui parle le moins souvent. Alors, avocat, les avocats vont venir dans. Ok, je peux recommencer. Dans les lits, Winsen, l'assiette pas à côté. Allez, première caisse. Vas-y, que je te range ça dans le frigo. Oh la vache! Ouf! Cette physique, c'est rigolo. M'a fait peur quand t'as ouvert le congèle. Alors, du coup, mes aliments sont tombés. Putain. Ce moment, c'est du pop-corn. Tu le coupes, il y a tout qui part en l'air. Sérieux? J'ai pas entendu. Bah, j'ai... Toutes les tranches sont parties. Ah, ah, ah. Tout du de rat, là. Oula. J'ai fait me prendre un coup de couteau, mais. Ouf, ça devient violent en cuisine, dis donc. Tu l'as volé en l'air. Là. Ah, j'ai rangé le temps. Peut-être plus savoureux que le yambon. Mais il n'y a pas de chocolat. Ah, un bel. Bah alors, la caisse, elle va tenir, oui, Crotoum. Je vois de la fille. Ah, caisse dissident. Merci. Alors, mon saumon, voilà. Le saumon. Oh, tiens, je vais ranger en bas pour une fois le saumon. Ah. Blablabla. Cette physique est terrible. Ouais, en fait, le saumon change à tous les étages. C'est n'importe quoi. Ah, ça a dû. Alors. Pas possible. C'est simple mais efficace, leur, je trouve, leurs objets 3D. Mm. C'est. Oh. Visible. J'ai l'impression que il n'y a pas eu de physique de mur.
pense que quelqu'un a donné un coup d'objet sur le mur du fond de la cuisine. Et ça fait gicler les caisses de l'autre côté. Parce que, en fait, c'est un mur d'appui pour les... Qu'est-ce que c'était là, ça? Mais... Merde. J'ai pas rangé, etc. Bon, bref. Oh. Il y a du tam-tam dans l'air, là. Oui, oui. Hop, hop, hop. Alors, il y a du tam-tam dans l'air. Les concombres et les toutes mouches. Merde, j'ai fermé qu'un truc pas vu. Asperges, concombres, avocat, je crois qu'on peut recommander. Bah, tout ce qui est presque vert, sauf les algues. Ça arrive, ça arrive. Pas mal, on arrive à tenir en flux tendu, pas mal. Ce bruit. C'est, ouais, là, c'est les caisses qui tombent également. Ah bah oui, ça c'est buggé derrière. Ouais, écoute, hein, voilà. Je sais plus quoi dire. On s'adapte. Faut pas oublier si pas. Hé ! Oh, c'est pas énorme, j'ai un truc dans le bas qui s'ouvre. Parce que j'ai une lune qui tombe. Mais le problème, c'est que je crois qu'on peut pas le récupérer. C'est trop bizarre. Non, on peut pas faire deux. J'ai des asperges qui tombent dans le bac à fruits, mais j'ai l'impression qu'on peut pas saisir les... Oula, il y a une baston de caisse là. De... Taillez, c'est bon. Ou alors vous allez commander trop de trucs. Ah oui, non, c'est les caisses qui étaient là-bas. Le riz... Je suis en fait des caisses. Ah oui, alors. Ouais, je vais recommencer à vous faire un peu de riz, parce que là, vous en avez dans l'angle. C'est bizarre que le riz cuit soit mis à l'angle. Ça peut être une technique, hein, mais c'est bizarre. Alors, cuire du riz. Pardon, excusez-moi, viens-moi tout ça. Voilà, là je me mets là et ça va marcher. Ou quoi ? Non, ma main est prise dans l'appareil. Je vais finir par cuire ma main. Quelle horreur. Je vais finir au service des grands brûlés de l'hôpital local. C'est horrible. De fou. Alors pour ceux qui se posent la question, on est en mode libre, c'est-à-dire que le resto tourne de manière illimitée. C'est un excellent entraînement comme on découvre ce resto là depuis une heure. Mais le mode de jeu normal veut que normalement on soit limité et dans la thune et dans le temps. Et on doit gagner du temps pour faire un meilleur score, du temps en assurant la satisfaction des clients. Et c'est, comme pourraient dire certains, tendu du string, c'est pas du tout évident. Et je trouve que ça met pas mal en lumière les tensions, la difficulté des métiers de la restauration. Tiens, d'ailleurs, le dernier resto où j'ai eu la chance d'être invité, j'aime bien, il y avait la patronne qui assure le service. Et qui avait glissé le mot on recrute dans notre établissement entre deux commandes, j'ai trouvé ça trop bien. Non mais elle a raison en même temps. Et bref, au moment d'aller au comptoir, sortie de table là, pour régler un de frais, je creuse un peu, je dis excusez-moi, vous m'avez dit que je cherchais du boulot mais quel poste. Qui fait comprendre que je connais un peu de monde et qu'éventuellement je pourrais faire sa pub. Et en fait c'est fou, mais pour un resto. Ah ! Le rat m'a eu, il s'est barré avec l'avocat. Ah, je l'aurai un jour, je l'aurai. 5 postes elle cherchait en fait. Elle cherchait le commis de cuisine, un cuistot, un pâtissier, un second de cuisine, c'est pas pareil. Donc le cuistot, le second de cuisine, le commis de cuisine, le pâtissier et un serveur. Eh ben. Ouais, 5 postes pour un resto. Ouais, ouais. Oh. Oh vache, qu'est-ce qui s'est passé d'une scène? Ça a giclé ton assiette. Ah,
j'essaie de pas déprimer. Oui. Oh, l'autre est. Disco plage. Elle aura de belles. Il y a un bout de. C'est pas mal le saumon, Laura. Attends, moi je trouve du rig cru. Oula. C'est quoi qui est à la table là? C'est quoi qui est à la table? C'est moi qui l'ai mis parce que personne n'en veut. Mais c'est quoi? Je sais plus. Ah, c'est pas la réponse, ça je sais plus. Je sais plus moi. C'est un plat expérimental. C'est du thon. Thon machin, je crois. Thon machin, oui, ça c'est la réponse aussi. C'est... Bon, pour l'instant, personne n'en veut. Oula, il y a du tam-tam dans le frigo maintenant. Ah bon? Oui, c'est des avocats qui jouent avec tam-tam. Ah bah d'accord. T'as encore les caisses? La glace, la glace. Qu'est-ce que... Attends, non, il est vite celui-là. Bon, voilà ce qu'il y a. T'as plus de feuilles? Ah si, hop. Mais non. Ah, je serais surpris qu'on me dise enfin qu'il n'y a plus d'algues, parce qu'il y a la vache. Ben moi j'ai la boîte là, il n'y a plus qu'une feuille dedans. Ah incroyable! Oh, ça va me faire bizarre de recommander des algues. Allez, mais pourquoi le riz vole partout? Mais. Oui, il est tout le riz aussi. Attends. On va regarder les caisses giclées. Hop là! Oh là, je crois qu'il y a un bug avec le cuiseur à riz, il veut plus fermer le truc. Non, attends, je vois du saumon. Non, du saumon. Il a commandé combien de caisses là? 2 riz, 2 algues. Oh la vache, heureusement que ça fait pas la même chose dans la cuisine. Parce que là, on passerait notre vie à tout nettoyer. Non, oui, voilà, m'en parle pas. Merde, ici, toi. Ne m'en parle pas. Bon, je crois que le riz cuit, il y en a beaucoup. Ah bah, tant mieux. Ça, ça laisse la marche pour le reste. Voilà, j'ai une casette de riz cru. J'ai pas l'impression que les rats aillent dans la réserve. Je pensais que les rats allaient dans la réserve, mais finalement le troisième piège à souris, je vais le mettre proche des cuisines. Enfin, proche même des clients. Je me permets de... Oh, attendez. Ah merde, c'est pas ce qu'il avait... Ah lui, attends, c'est bon. C'est pas ce qu'il avait commandé, mais son plat était savoureux. Bon, d'accord. Oula, wow, mais non! Cette mer polygonée. Je suis sur la mer polygone. Oui, c'est vrai qu'on se coordonne pour passer parce que sinon. Petit souci de collision de passage. Hop là, ça c'est vide. Ça c'est vide ou c'est plein? C'est vide. Ok. On a pas coordonnées. Je crois qu'on a à peu près tout. Ah non, il n'y a plus les crevettes. Il vous reste des crevettes? Non. Je sais pas. J'ai pas l'impression. J'en vois plus. J'ai en commandé 2 boîtes. Des shrimps. C'est normal. Il est en lévitation. Je prends. Hop. J'ai plus des asperges en lévitation dans la réserve. Des avocats vivants dans le frigo. Ah bon? Oui, ils sautent tout seuls en l'air. Attends, là il y a des crevettes machin. Putain, le rat il m'en fout. Ce rat me rend fou. J'étais en train de faire le shrimp, mais je sais jamais. Ah oui, c'est du lit qui faut des crevettes. Oui. Ah oui, donc les crevettes il y en a plus. C'est quoi ça? Ah, c'est du shrimp. Bah là, voilà, elle vient d'arriver. Ah ouais. Oui, si tu veux, vas-y. C'est quoi ça? Il y a pas une assiette là? Bah si, il y a déjà des trucs dedans. Il y en a 3 normalement. Merde, attends. Alors, il y a 2 assiettes, il y a 2 assiettes à l'évier, mais la troisième est où, la troisième? Sur la table avec déjà il y a des sushis dedans qui attendent. Attends, je clavier les assiettes, moi. Je vais à la plonge. Je vais à la plonge, chef. Hop. Voilà, froti frota. Je sais plus ce qu'il faut avec les crevettes. De la mayo. Du concombre. Alors. Oh putain. J'ai ouvert le frigo, il y a tout qui est sorti. T'es vivant. Donc on a passé 3 heures à tout ranger, là, correctement, là. Ah, oui. Ouais. Il y a eu une avalanche, ouais. L'avalanche, ah, tiens, le frigo. L'assiette, elle va servir, l'assiette. Ah, quelqu'un qui en veut. Qui en veut?
quinoa. Ah, quinoa. Alors, qui c'est qui voulait ça, là, là. Alors, vous avez du... Oh, très bien, vous êtes des chefs. On va peut-être pouvoir passer à notre cuisine, non? Oui, ça y est, tu te lasses. Oui, je commence un petit peu à connaître les recettes. Non, je comprends. Mais bravo, c'est... Tu veux rien faire, c'est la revanche chez elle ce soir, en fait. Tu rigoles, mais il y a des places, ça fait envie. Hein. Moi qui mange jamais mexicain... Vu comment les cuisines, hein. Vu que ça tombe par terre et tout, j'ai pas trop envie d'y goûter. Hein. Oui, non, vu comme ça, oui, tu m'étonnes. Non, c'est vrai que j'ai bien aimé le coup de... J'ai pas assez de surface de la planche à découper, et je fais ça à même le sol sur le parquet. Tout à l'heure, c'était pas mal. C'est un concept. Écoute, si le sol est propre... Et les clients, on n'a rien vu. Hein. Oula, ils volent. Oui, toi aussi, tu joues au frisbee avec les... Une scène, attrape, attrape l'assiette. Hop. Je... Oh. Attends, dis-je. Le boxon. Wow, oh la vache. Bien envoyé, c'est dangereux. Hein. Ah oui, c'est pas évident. Faut avoir le coup de main. Oula, oh putain. Ça marche bien. Hein. Un baudrillard. Il y avait un jeu, non? Un simulateur de frisbee, je sais plus. Alors, j'ai la chance d'en avoir un avec le périphérique de la PlayStation, là, le PS Move. Et c'est juste génial. Oui. C'est juste génial. Oui. Oh, je rêve ou... Attends, non, je l'ai pas sur moi. J'ai pas... Le roi, il s'est barré. Le barré du rire. Excellent, le disco plan à la console. Il y a déjà bien un jeu de chef qui existe, hein. Je vais pas dire, mais... Mm-hmm. Très rigolo. Alors, voilà, je vais couper le... Voilà. Oh, si. Merde, quoi. Attends, non, mais la poêle. Attends, il est tellement haut, tu peux pas le lancer, l'extincteur, c'est impossible. Si. Ah, je pensais pas, tu vois, je pensais que l'objet avait une masse plus importante. Bref. Hop, je zappe. Ah, je peux pas zapper, pourquoi? Ah, parce que c'est pas la bonne touche. Ma menu. Je vais vous inviter. Oh, le joueur à côté de quitter le jeu. Quel scénario vous ferait plaisir, les copains? Ça mange pas avec toi, c'est bon. Oh. Il parle mal, le Twin Twin. C'est mouche. Alors, pour ceux qui aiment les différents scénarios, je vais couper l'enregistrement pour YouTube. Comme ça, en fonction des scénarios, vous aurez une vidéo individuelle.